3$ de réduction chez PlayAsia sur toutes les commandes de 20$ minimum avec le code VITAFR. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais vous faire le bilan, plutôt un gros compte rendu de mes achats 2017. C'est-à-dire avec tous les jeux que j'ai achetés durant cette année 2017. Zone par zone, on va commencer par les jeux européens, ensuite les jeux Asia, les jeux Jap, on va terminer avec la zone où j'ai acheté le plus de jeux, la zone nord-américaine. Rose in the Twilight en collector, Akiba's Beat en édition limitée, Atelier Chali Plus, Danganronpa V3, Disgaea 3, Drive Girls, Farming Simulator 18, Fate Extella, Galgun Double Piece en édition limitée, Grand Kingdom, Invisimals à l'Alliance en version promo, Les Muppets Movie Adventures en version promo, Lumo, Make You, Labyrinth of Death, Opération Babel, New Tokyo Legacy, Phineas et Ferb, Day of the Funschmerz en version portugaise, l'édition collector de Root Leader sans jeu pour PS Vita, Slain Back from Hell en édition limitée signature édition, l'Amadeus édition sans jeu de Stainsgate 0 sur PS Vita, Super Dimension Neptune versus Sega Hard Girls, Super Monkey Ball Banana Split, Sword Art Online Holo Realization, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2, Tokyo Tattoo Girls édition collector, Top Trumps Turbo, Tukiden 2, Velocity 2X Critical Mass Edition, Yomawari Midnight Shadow en édition collector, E-Suite Lacrimosa of Dana et le collector de Valkyrie Drive. Pour les jeux Asia, nous avons sur cette Castilla EX en édition limitée, Dragon Quest Builders en Asia Jap, pareil pour Dragon Quest Heroes 2, Final Fantasy X-2 HD Remaster en français, Gundam Breaker 3 Break Edition, le GOTY pour ma part de 2017, Hatsune Miku Project Diva X en version coréenne, Semisphère en édition limitée orange et bleu, Soldner X2 et Taken Project en édition limitée. Pour les jeux japonais, on commence avec Hatfield, Abunai Koi no Susashitsu, Eternal Happiness, Airship Q, Digimon World Next Order, Golden Time Vivid Memories, dans sa très grosse édition collector, Hatsune Miku Project Diva F, Otaru no Niki dans sa rare édition collector japonaise, Oreshika 2 en version collector, Oreshika 2 en édition standard, Orgarithm, Osomatsu-san The Game, dans l'un de ses collectors ici, le 5e collector, Punchline, en édition collector, Samurai and Dragons, Samurai Warriors Chronicles 3, le double pack Senran Kagura avec Dekamori et Shinobi Versus, un second Shinobi Versus dans son boîtier promotionnel, le double pack Soul Sacrifice, Strangers of Sword City Revisited, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel en édition limitée, ainsi que Valkyrie Drive dans sa Bikini Party édition. Et on termine donc avec les jeux nord-américains, avec Aqua Kitty DX, As Divine Earth, Broken Age, Beat Trip Runners 2, Blaze Blue Chrono Phantasma, Collar X Malice, Conception 2, Curse and Chaos, Dimo The Last Recital, Lone Survivor, Mind Zero, MLB 12, MLB 13, MLB 14, Muramasa Rebirth, Ocean Horn, Oddworld La Colère de l'Étranger HD, Plague Road, Ragnarok Odyssey, Ray Gagant, Shantae Half Genie Hero dans sa Risky Beat Edition, Stealth Inc. A Clone in the Dark Ultimate Edition, 1 Supremacy MMA avec jaquette photocopié et 1 sans jaquette photocopié, The Swapper, The Swindle, The Walking Dead saison 1 et saison 2, The Wolf Among Us saison 1, Undertale avec une très belle notice, Utawareru Mono Mask of Deception dans sa Lunch Edition, Zero Time Dilemma et pour terminer, Is Origin. Et donc voilà, c'est la vidéo de tous mes achats PS Vita de cette année 2017. Il y a à peu près une centaine de jeux, on est à 93-94 jeux, ce qui est énorme. J'aurais pu en rentrer plus. Alors j'en ai acheté plus puisque j'en ai certains qui sont en transit. Et j'aurais aimé qu'ils soient présents pour cette fin d'année 2017 pour pouvoir atteindre et dépasser la barre des 100 jeux achetés et intégrés dans la collection. Mais voilà, il reste dans la centaine de jeux achetés pour cette année 2017 et rentreront dans la collection pour 2018. Sur ce, dites-moi ce que vous avez acheté cette année sur PlayStation Vita. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour la vidéo collection 2017 avec mes 319 jeux. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et jouez bien. Allez, ciao tout le monde !